Et salut les gars et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ce FIFA 19, donc dans la carrière manager avec le Borussia Dortmund. Donc je vous avais dit dans l'épisode précédent que j'allais trouver un moyen de faire remonter un peu De Jong sur le terrain. Donc j'ai pensé à faire un 4-4-2 à plat tout simplement. Avec j'ai juste inversé Martial et Alcacer, question de préférence je pense. Et j'ai mis De Jong du coup bah un peu plus haut. Hop, juste là il m'a fait n'importe quoi. Hop, voilà. Donc hop, ça c'est fait. Hop, donc on va pouvoir enfin commencer le championnat contre Leipzig et on peut voir que le Bayern a fait match nul. Ah, le Bayern qui perd déjà des points. Intéressant. Nous, on va jouer notre premier match contre Leipzig en espérant le gagner. Hop. Alors oui, par contre, j'avais dit du coup que je partirais en légende. Donc, tac. On est parti pour le premier match de la saison en légende, 4 minutes. Bonjour, ici Hervé Matou en compagnie de Pierre Ménès pour cette journée de reprise en Bundesliga. Bon, ça devrait être sympa, il devrait y avoir du spectacle, Pierre. Et on est parti pour la rencontre. La première journée de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et Leipzig. C'est parti pour les meilleurs moments. Hakimi qui peut jouer sur Sancho. Sancho De Jong. Paco Alcacer pour Anthony Martial. Oh, Martial, il y a faute! Ah oui, là quand même. Il prend un joli taquet. Oh, elle est pour toi Marco celle-ci. On la tente. Je pense qu'il y a moyen. Oh non. Elle partait tellement bien. Oh, ça aurait été magnifique, ça aurait été parfait. Ah, elle partait tellement bien. Allez, c'est pas grave. La prochaine c'est la bonne. Allez pour toi Anthony. Ou Martial, tu l'as vu? Tu lui donnes. Alcacer! Et Golasso! Le poteau rentrant pour le premier but de la saison! Et c'est Paco Alcacer qui le marque! C'est un joli travail de Martial. Hop, j'ai juste à la remettre, il est tout seul, frappe. Ça met transversal rentrante au final. Hein. Ça aurait pu sortir quoi. Allez, 1-0 pour Dortmund. Hop, allez, De Jong. T'as les clés de l'attaque. Ils ont décidé de poser le jeu. Paco Alcacer. Le bon moment pour tenter une percée. Sancho. Elle était belle, un peu forte. Paco Alcacer. Hakimi. Oh, il est tout seul. Anthony Martial. Oh, ça peut faire but. Oh, quel réflexe. Oh, quelle parade. Magnifique. Ouais, dégager ce ballon. C'était une belle occasion. Jadon Sancho. Le petit anglais. Marco Reus avec un tir. Ok, c'est complètement raté. Allez. On essaie de briquer le plus vite possible. On se met à l'abri. Avec De Jong. Sancho. On l'a vu en haut. Voilà, on l'a passé raté. Récupération sans effort pour l'adversaire. Ah, ils sont pas dans leur match Leipzig là. De Jong. Ah ouais. Les passes qu'ils font, c'est assez rare. Diego Demé, Mille Forsberg, Timo Werner. Peut-être une bonne opportunité, attention. Le centre vers ses coéquipiers. Tout seul devant la surface. Bien joué, Timo. Timo Horn. Il y aura 3 minutes en plus. Non, c'était pas pour lui. Interception. Ou la remise. Timo Werner. Le but qui ramène les deux équipes à égalité. Putain, au pire moment, juste avant la pause, et moi je donne le ballon. Putain, j'aime ça les remises dans l'axe, hein, vraiment, j'aime trop ça. C'est du jamais vu. Hein. On était trop bien juste avant la pause, là on allait aller à la pause en menant à zéro. Ah bah toi, merci. Ah non, c'est grave. On était trop bien dans le match. On avait concédé zéro occasion. Et on se retrouve à un partout à la mi-temps. Sur un but magnifique de Leipzig sur une vieille relance dans l'axe, quoi. Ah ouais, je suis un peu déçu pour le coup. Ouais, voilà, ils ont deux frappes. Après, on a cadré qu'une seule fois sur cinq frappes, c'est vraiment pas ouf. Hein. J'espère qu'on va faire mieux en deuxième période. De luxe, en principauté, titulaire à Manchester United. On frôle le compte de feu. Pas vraiment titulaire Manchester United. Ouh, bien joué, Timo. Facile, hein, pour le gardien sur cette tête. Ouais, bien joué de sa part. On laisse pas partir, hein. Diego Demé. Ouais, ils sont nombreux, il faut pas gâcher ce ballon.
Non. Berger. Ah oui, heureusement. Heureusement. Ah non, là ça aurait été le pire moment à la 60e. On va voir si on peut faire un petit changement. Histoire de changer tout ça. On va peut-être repasser dans le dispositif qu'on jouait précédemment. Peut-être qu'on y arrivera mieux. J'ai vraiment du mal là. Ah, voilà. Ok. On va faire entrer à la place de Sancho, on va faire entrer Pulisic et peut-être Mario Götze à la place de Witzel pour jouer un peu plus offensif. Witzel. Anthony Martial. La passe aérienne. Jadon Sancho. Oh là là. Il doit pas être de beaucoup dessus hein. Ce ballon qui passe au-dessus finalement. C'est une belle occasion qui s'envole. Ah ouais. Marcel Sabitzer. Nick Forsberg. Timo Werner. Ouais, la frappe. Allez, bien joué, gardien. On relance vite. Le gardien a su s'interposer. Ce ballon qui est intercepté. Je lui ai tourné autour, frère. Ah, il s'étire le muscle. Il prend sa chance. Ouh, bien joué, gardien. Ouh, Pulisic. Ouh, Pulisic. Oh, Marco Reus. Oui, le capitaine qui vient sauver le match à la toute dernière seconde pour peut-être la première victoire dans cette saison de Bundesliga. Ah, je vois Pulisic partir, je lui mets dans la profondeur et au dernier moment, je peux mettre la petite passe pour Marco Reus. Premier but de la saison. Tac. Et 2-1 pour Dortmund. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. Et le match se termine juste après. Voilà, le match ah, c'est vraiment le dernier moment, c'est nickel. Mais après, sur la finition, je dois être meilleur, quoi. Il était tellement beau, le coup franc, c'est vraiment dommage qu'il tape la barre, quoi. Oh là là, dommage, il avait pris sa chance de loin. Alors. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir gagné le premier match. Dans les gros, je veux dire. Ah oui, c'est vrai que le Bayern ne l'avait pas gagné. Je vais simuler les entraînements. Après, je verrai au prochain si je peux changer les gens qui s'entraînent. Zagadou qui prend un point de général, le français. Tac. Alors, on approche de la fin du mercato. Offre de transfert pour... Ah, 27 millions pour Mario Götze. Là, on a combien de sous actuellement? Ah, 40 millions. Non, je pense qu'on va garder Götze. Et au prochain mercato, on se penchera peut-être sur le cas de Lucas Torreira. Qui lui, pour le coup, serait un vrai MDC, quoi. Dans la seconde équipe, j'ai qui en BU? J'ai Philippe et Isaac. Je pense que je vais... Je vais déléguer pour achat Moïse Keane. Hop, comme ça on va voir. Si on arrive à l'avoir, jeune joueur, avec une grosse marge de progression, ça pourrait être très intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Offre de transfert pour... Alors Götze, du coup, on choisit de le refuser. Et Philippe, non, il a un gros potentiel aussi, on va le garder aussi. On va le garder aussi. À la rigueur, celui que je ferais partir, ce serait peut-être Isaac. Je pense qu'il a un peu moins de marge de progression que les deux cités précédemment. Et bien on est parti pour le deuxième match de la saison. Contre Hanovre. Hop. On va jouer avec le maillot noir. On va faire jouer avec le maillot rouge. Tac. Bon, enfin. Philippe, Isaac, Pulisic, Larsen, Götze. On va rejouer avec l'équipe A. Il n'y a pas d'échéance. Bah, en tout cas, j'ai pas regardé. Personne qui joue en même temps que nous. Ok, bon, on est parti. Je me pose une question. Est-ce que j'ai mis en légende? Pas quoi le casser. Je suis pas très sûr. Très attendu aujourd'hui, bien sûr, s'échauffe. Le meilleur buteur, c'est lui. Ce sera le principal danger hein, pour la défense adverse dans ce match qui va commencer dans quelques instants. Bonjour, bienvenue pour ce match. À mes côtés, Marco Reus. Salut, salut. Très heureux d'être avec toi. Et on est parti dans cette deuxième journée de Bundesliga.
qui oppose le Hanovre au Borussia Dortmund. C'est parti. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Bien joué, Diallo. Alors qu'on voit maintenant le style d'organisation retenu par l'entraîneur pour ce match. Il va faire jouer son équipe en 3-5-2. Jadon Sancho, j'avais pas été trop fan de Sancho lors du premier match. On va voir si c'est mieux, le centre de Sancho. Je vous laisse découvrir la composition de c'est cette équipe du Borussia Dortmund. De Jong, et ça rentre. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec... Non, je vais en voir ça quand même. Ballon qui rentre, le gardien l'avait... Je frappe sans aucune conviction, en plus il fait ça, genre c'est une belle frappe. C'est contré en fait. Il remonte ce but. Oh, c'est grave, la chance. Le Borussia, c'est le premier but pour Dortmund, signé Frankie de Jong. Et ça fait 1-0 pour Dortmund. Ouais, faut on va se faire contrer comme ça là. Le contre va donc rester là. Ils ont gâché tout leur contre. En jouant lentement là. On est dans une phase de conservation. Moi c'est pas terminé. En attendant l'ouverture. Ah, Francky, elle doit être pour toi celle-ci. Et l'arrêt du gardien. Pour l'instant, Timo Horn, je suis pas déçu. Il n'y a pas grand chose à faire, mais il a fait correctement pour le moment. Rafael Guerrero. L'espace là pour le Borussia Dortmund. Paco Alcacer. Anthony Martial. Anthony Martial. Marco Reus. Marco Reus. Ça, c'est un joueur que vous aimez, Pierre, je crois. J'adore. Infiniment sous-côté aussi, à mon sens. Il peut jouer à tous les postes en attaque. Il va vite, il prend la profondeur, il marque des buts. Il ne se déplace jamais pour rien. Bon, il paraît qu'il est un peu dingo, mais. Ok, bon. Aime-toi, Pierre Ménès, quand même. Mitchell. Parle trop mal de mes joueurs, j'apprécie pas du la tout. La passe est interceptée. Oh. Oh non, pas les rouges. Il est dernier défenseur, il est dernier défenseur. Non, non, on fait pas ça. Oh, c'était sûr, mais qu'est-ce que je suis... Oh non, c'est grave. C'est un carton. On mène 1-0, on est tranquille dans le match, on possède pas d'occasion. Et je fais un tac dégueulasse. Bah, ça fait carton rouge, du coup. On va finir le match à 10 contre 11. Wood. On va pas le laisser centrer. Et finalement, on le laisse centrer, puis c'est l'égalisation. Oh là là, si je perds ce match ou si je le gagne pas, je pourrais en prendre qu'à moi. Ah, elle est belle cette action, Pierre, me plaît. Oui, putain, je fais même pas le. Oh. Bon, on va devoir faire sortir. On va sortir Paco. On va faire sortir Paco puisque. Bah, carton rouge. Hein. Hop. J'ai gardé Zagadou sur le banc. Oh là là. Ouais, bah écoutez. Et que dire de cette tête hein. Et voilà donc avec... Allez, Rafael Guerrero. Diallo. Et c'est la mi-temps. Un partout, on est réduit à 10 sur une erreur de ma part, hein, sur un vieux tacle. On prend un but derrière. C'est... Pour l'instant c'est gris. C'est très très gris ce match. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Ah non, le ballon est perdu. L'entraîneur de l'équipe locale. Allez. Anthony Martial. Joli arrêt du gardien d'Hanovre. Allez, le centre, Marco Reus. Pour peut-être Anthony Martial à nouveau, non. Très mal donné, hein, ce ballon. Ok, c'est récupéré une fois de plus. Et c'est perdu une fois de plus. Gardien. C'est sûr que quand on est en supérieur, putain. C'est tout de suite plus facile. Ah, ça sentait le faux pas de fou. À partir du moment où je prends un carton rouge, j'étais sûr que ça va être un fou. Un match piège. On va encore une fois refaire rentrer Pulisic parce que sinon. Parce que Sancho là, c'est vraiment. On va tenter le tout pour le tout. On va mettre Marco Reus buteur. On va jouer sans ailier gauche. Hein. Ou alors peut-être qu'on se retire un milieu de terrain, mais là, c'est vraiment jouer avec le feu quoi. Je vais faire remonter De Jong et. Il joue qu'avec un seul milieu de terrain, quoi. Ça nous fait un sacré trou au milieu par contre. Oh là là, on prend de ses contres. Oh, Zagadou qui est au sol. Relève-toi! C'est un fou, Zagadou, relève-toi! Et c'est la fin du match. Et le match se termine sur un score de 2 partout. Avec clairement des regrets, hein. Des gros regrets dans ce match. Autant les stats sont plus ou moins even. Autant je prends un carton rouge dès la 34e minute. Derrière, je prends un but instant. Ah oui, que des regrets dans ce match, que des regrets. Et déjà un premier accro dans la saison.
T'inquiète Mario, on a dit qu'on te gardait. Alors, quels ont été les arrivées? Il y a Dvajagovic qui part, Schmelzer, on a vendu Schmelzer. On a vendu pour 65 millions, on a acheté pour 110. Nos amis du Bayern, qu'ont-ils fait? Ils ont acheté Davis, ils ont vendu Martinez, ok. Ils ont acheté Ben Yedder, Schalke. Caresse Aumônier, Lemina. Ok. Ils ont vendu beaucoup quand même, Leipzig. Hein. Enfin, chez Sanabria, Dolberg. C'est pas mauvais comme mercato. Bon, bah, apparemment, nous, on n'est pas plus avancé. D'accord. 5 800 000. Ok, bah écoutez, on va négocier le salaire de notre ami Moiskin. Oui, on va y aller. Quelques petits lags des fois. Alors, on est parti. Sporadique. Oh, sporadique, ça veut dire plus ou moins. Comment dire, un bon jeune, quoi, avec un gros potentiel. Une star montante, quoi, plus ou moins. On va le prendre pour 5 ans, il a 18 ans, hein, on est là pour blinder son contrat. Pas de clause libératoire. Il en veut une! Ouais, dans ce cas-là, on va prendre la clause libératoire. On va accepter son salaire, de toute façon, on a des sous. Par contre, ouais, si jamais il éclate vraiment chez nous. Ce Moiskin, on va faire en sorte de lever la clause libératoire très très vite, hein, parce que ce serait dommage de se le faire voler entre guillemets. Hop, on va faire remonter notre ami Isaac. Sancho, ouais, j'ai vraiment du mal avec Sancho. Écoutez, vous savez quoi? Hop, on va faire suivre les actes aux paroles. On va passer Sancho dans l'équipe 2. Défenseur là, encore et Switzel. J'ai déjà De Jong, donc là je peux mettre un défenseur. Mettre pas un Diallo. Ok, donc tac, Moiskin dans l'équipe B. Donc la recrue. C'est un jeune joueur avec énormément de talent. Je pense qu'il peut éclater chez nous. Tac. Bon, de toute façon, on va forcément jouer avec l'équipe B puisqu'il y a un carton rouge dans l'équipe A. On va faire jouer Pulisic. Tac. Hop, on va terminer le mercato. Hein. Pour nous, on n'a plus besoin de rien faire. On a 30 millions, on va les garder pour le prochain mercato. Chiro Immobilier qui signe à Chelsea. Casemiro qui signe à Tottenham. Ah, on a des petits mails. Est-ce qu'on a une offre? Non! Non, 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 non! Si le joueur décide d'argent de se verser, ce sera versé. Non, pas Marco Reus! Alors là, non, non, si on perd Marco Reus, c'est la fin des haricots, là. Et j'ai vraiment utilisé fin des haricots, et vous avez très bien entendu. Non, s'il te plaît. On va faire signer un contrat à Marco Reus, hein. Allez, mon pote Marco, on va signer un nouveau contrat, allez, viens! C'est dommage vraiment qu'il parle pas les. Mais c'est déjà une grande avancée qu'il y ait des cinématiques comme ça. Crucial, oui, tu restes crucial, mon Marco. Je te refais signer 4 ans? C'est peut-être un peu beaucoup 4 ans. Non, c'est ce qu'il voulait. Ok. Pas de clause libératoire? Oui! Il accepte. Pour le salaire, il touche 100 000 actuellement. Tu savais quoi? On va lui donner. Le but, c'est vraiment qu'il reste. Donc on va vraiment pouvoir le caler jusqu'à la lisse pour qu'il reste. Ça sera peut-être pas assez ça. Faut vraiment le but là c'est vraiment de lui donner un bon contrat. Comme ça il nous dit ah bah je vais peut-être rester, c'est plus intéressant ici. On va mettre but parce qu'il a l'air d'en marquer quelques-uns. On va mettre sur une dizaine de buts. On peut lui verser 2 millions sur une quinzaine de buts dans la saison. Ça me paraît correct. On va se mettre là. Ça fait peut-être beaucoup mais. Comme je disais, le but c'est vraiment qu'il reste, quoi. C'est pas qu'il nous quitte pour le Borussia Dortmund. C'est grave par contre Dortmund qui achète toujours les meilleurs joueurs du championnat. Allez, il est pas vendu. Non. Ah vraiment c'est. Ah c'est sale de leur part de me voler mes joueurs comme ça. Bien sûr on n'accepte pas les offres de transfert sur Pulisic, vu qu'on vient de le faire passer dans l'équipe 1. Il est pas vendu? Toujours pas en fait. Rejeter l'offre. Pulisic il bouge pas, je te dis. Et Daoud il est titulaire dans l'équipe 2, donc il va pas bouger non plus.
On verra au prochain mercato. Ah ouais, non, si Royce était parti, j'aurais été deg. J'aime beaucoup ce joueur et c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai pris le Borussia Dortmund, mais aussi parce qu'ils font vraiment un bon travail actuellement, quoi. D'ailleurs, hier, ils ont été défaits par Düsseldorf, je crois, 2-1. Un match assez sale de leur part, hein. Ils ont complètement déjoué. Quand je dis bah non, bah, il est titulaire. Et ouais, c'est vraiment dommage quoi, mais du coup ils conservent quand même 6 points d'avance, donc on va suivre ça de très près. Et puis nous on va essayer de faire pareil dans FIFA. Alors bah du coup Moiskin, on va le faire essayer de le faire évoluer. Tac, en finition tout ça. On a Kerr. Ah oui, c'est parce qu'ils sont internationaux. Ok. On va faire jouer Pulisic. Placement offensif, finition, puissance de tir, il est pas excellent, donc on va l'entraîner là-dedans. Ah pour Zagadou, il s'entraîne vraiment bien, je suis content, il évolue bien. Hop. Du coup on se retrouve quatrième avec 4 points. C'est pas excellent. Hein. Retrait de l'offre pour Toprak. Oh, de toute façon, elle n'aurait pas été acceptée. Akanji. C'était l'offre d'avant, d'accord. Tac. Pour le prochain match, Jadon Sancho qui veut jouer. Attends, parce que toi, me parle pas trop, t'as joué tous les matchs depuis le début de la saison et c'était vraiment pas excellent. Alors, joueur, qu'est-ce qu'on joue? On va se faire ce match contre Francfort et après on va hésiter peut-être à faire ce premier match contre Bruges. Du coup, en phase de groupe de Ligue des Champions, on va avoir Bruges, Monaco et l'Atlético Madrid. D'accord. Donc il va falloir gagner ce premier match contre Bruges. Je pense qu'on va être surtout en lice. C'est l'Atlético Madrid vraiment qui va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, mais je pense qu'on va pouvoir s'en tirer quand même. On joue Francfort. Vous savez quoi? De toute façon, j'ai pas le choix. Il y avait un carton rouge dans l'équipe A. On va essayer d'équiper avec Moiskin, du coup notre nouvelle recrue. Hop, je vais lancer tout de suite. Tac. Alors ouais. Je vais juste faire un changement parce que sinon les matchs, je vais les jouer en légende. Donc c'est-à-dire que j'ai joué le précédent match. C'est-à-dire que j'ai gagné le premier match en légende et j'ai fait un match nul en champion. Ok. Bon, écoutez, c'était une équipe moins forte en plus sur le papier. Bon bah du coup on va vraiment jouer un légende ce coup-ci, hein. Légende 4 minutes, on va jouer donc avec Philippe, Kean, Sancho, Larsen, Götze, Daoud, Piszczek, Toprak, Zagadou, Tolian et Burki. Et on est parti. Ça met de ses puissances de frappe. Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous. On est à Dortmund au Signal Iduna Park. C'est Allez, l'empereur du à la parc, je sais que maison. c'est pas facile à dire et tu vas On donc va faire jouer la cette première troisième journée de sélection. Bundesliga contre Francfort à la maison Et avec bien, l'équipe faisons B. cette Et rencontre puis du et coup, bah, c'est accueillons parti pour le les meilleurs Borussia moments. Dortmund. Son premier match, Hop. nouveau maillot et qui va être. On la remet. Oui, Philippe, ça se 1-0. passe, il Oh! l'a vu. C'est renvoyé par le Oh, le poteau. karma! C'est Magnifique grave! dégagement, sans se poser de questions. Sur deux Sancho. Toprak. On l'a vu. Ah oui, la bonne passe. Larsen envoyé dans la Il va prendre profondeur. le bal. La frappe de Il tente sa Larsen. chance. Ou c'est l'arrêt du Le gardien. gardien, Philippe c'est tout seul parti. face au but. Mahmoud. La frappe de Oh, Daoud! attention. Ouh la lucarne! Et sa Il lucarne de retourne le score Mahmoud de cette Daoud! rencontre. Et c'est l'ouverture du Attention, ce score dans but cette a-t-il bien rencontre joué? On a contre forcément une Francfort. réaction du côté d'en face. Le petit Et contrôle là, on va extérieur sûrement pour éviter le s'arrêter défenseur même puisqu'il s'attend maintenant. à ce que je Oh, rentre. vite fixé, Pierre. Hop, et puis la frappe. Bon, je m'attendais pas à faire une grosse lucarne comme ça, mais c'est parfait. Ça fait 1-0 et c'est Mahmoud Daoud. Et Pas très bien fait, Dortmund si, a soit pris dit en passant. l'avantage. Y aurait-il match? Allez, on continue. Sébastien Haller. C'est vrai qu'ils ont Sébastien Haller. Eintracht Contre Fabian, Francfort, qui fait une belle ils ont saison aussi dans la décidé vraie de vie. poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une Hop, percée. allez Philippe, Moiskin, c'est pour Sancho. Il y a de l'espace là pour le Borussia Sancho Dortmund. à nouveau. Une Et... minute de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième Le coup de arbitre. physique, mais on récupère pas Ah, si c'est bien parfait. taclé, il faut Tolian, récupérer ce ballon pour maintenant. Burki. Et Ouh. le gardien a anticipé sa défense qui dégage. Vous avouez, j'ai eu Mais un la petit peu froid dans mi-temps le dos qui là. vient d'être Mais du coup, c'est sifflée la mi-temps et ça à fait toujours l'instant, 1-0 pour le toujours Borussia toujours Dortmund. 1-0. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première période? Allez, on continue. On va les breaker. Zéro frappe pour Francfort. Ils ont juste un petit peu la possession. Zéro frappe, zéro corner, rien. Nous, on est déjà à 8 frappes, 4 cadrés. Et déjà 2 corners. On mène 1-0. Il faut vite aller marquer le deuxième là. Ça sent la douille. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Allez, les deux. Parking. On va tempo. Ah, la passe en profondeur, attention. Sancho. Oh, Ouh, le but dommage. peut-être. Au dernier moment, on la perd. C'est des bonnes contrats. Oh Oh, la chance encore non! sur cette Je la action. récupère et je panique.
Littéralement, je panique. On va laisser Philippe Kostic tout seul, hein, parce que sinon, ça va très vite être compliqué. Ils circulent bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Christian Tello, ouais, la frappe. Ouh, bien joué, gardien. Je ne la vois pas venir, celle-là, la patch, je peux rien faire. Il la récupère direct, il frappe en première intention. Ah, c'est la patch, c'est la passe, pardon. Ouh, attention. Dégagez-moi ça, les gars. Dégagez-moi ça! Mario Götze la frappe, c'est arrêté. Allez, on devrait se diriger vers une victoire. On va jouer ce corner quand même. Kin. On va récupérer le ballon. Pour tranquille, on va quand même tenter. Voilà, ça va se terminer. Ça va se terminer là-dessus. Et c'est une victoire une nouvelle fois pour le Borussia Dortmund. 1-0. Sur un but en début de match de Mahmoud Daoud. Ouais, c'est amplement mérité. Hein. Jadon Sancho qui finit avec un 8-9. Bon, il a été meilleur quand même sur ce match que sur les premiers. On va quand même laisser dans l'équipe B. Ah. Waouh. C'est magnifique. Ah, ça fait plaisir à voir comme ça. Hop. On fait les entraînements. On est en Ligue des Champions. Paf. Oh, potentiel, excusez-moi, ça nous intéresse pas. Suspension purgée pour Akanji. Merci, boss. Merci. Bon, écoute, tout le monde est content. Écoutez, on va aller jouer ce match face au club Bruges. Belge donc. C'est notre premier match de Ligue des Champions de cette année, de phase de groupe. On joue avec l'équipe type. Premier match pour Pulisic dans l'équipe type. En légende, 4 minutes. Et c'est parti. Et on est parti pour ce match entre Bruges et Dortmund, donc en Belgique, pour ce premier match de la phase de groupe de Ligue des Champions. Alcacer le centre. Ouh, la frappe. Ouh, Martial qui était pas loin de son premier but en Ligue des Champions cette année. Son premier but tout court. De Jong. Witzel. Anthony Martial, c'était que partie remise. Et c'était que partie remise l'action précédente. Ouh, à bout portant, il trouve le gardien. Et puis finalement, sur l'action d'après, sur un petit cafouillage et une passe d'Alcacer. Il trouve le poteau rentrant. Voilà, donc un petit cafouillage ici. Tac, on lui remet quand même. Grosse frappe, poteau rentrant. Et c'est l'ouverture du score. Et le premier but d'Anthony Martial en Ligue des Champions. On la frappe. Bien joué, gardien qui. L'arrêt du torse. Et Groeneveld. Bon, c'est compliqué à prononcer. Un grand espoir néerlandais qui part sur le côté, qui va peut-être pouvoir centrer pour Bruges. C'est bien récupéré par le gardien. Allez. Un stade assez beau finalement celui de Bruges, même si bon, évidemment pas le vrai. Allez, on va pas les laisser jouer. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps dans ce match avec un but. Un but et c'est l'œuvre de Martial pour son premier but au club. Et pour l'instant, on mène 1-0 dans ce match. C'est pas vraiment mérité pour le coup. Pour le moment, on se fait un peu bouffer, mais. Et espérons faire une deuxième période un peu meilleure quand même. On va peut-être prendre un contre. Elle a Kimi. C'est rapide. C'est récupéré. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon, ah, je perds les ballons, je redonne un ballon. Est-ce que je vais prendre un but sur un énième ballon donné à l'attaque adverse? Eh bien non, pas ce coup-ci. Mais c'est un corner pour Bruges. C'est pas le moment de prendre l'égalisation, ça les mettrait en confiance. Dégage-moi ça. Bon, la douille, ça sentait vraiment la douille, ça, vraiment. Je sais pas, j'ai l'impression. Anthony Martial. Paco Alcacer. Francky De Jong pour Paco Alcacer qui a trouvé Martial peut-être hors jeu. La frappe de Martial et le break est fait, il n'y a pas d'hors jeu. Cette passe de Paco Alcacer pour le doublé d'Anthony Martial qui nous fait un match plein.
C'est un doublé pour Anthony Martial à la 70e minute. De Jong joue bien le coup, Alcacer se place. Et Martial est placé depuis le début de l'action, il attendait que je lui donne. Frappe sous le gardien. Et c'est un deuxième but et ça fait 2 à 0 pour le Borussia Dortmund. C'est récupéré, Ritz, on en a un blessé. On a un blessé, il se relève. Le quatrième arbitre qui est-ce que c'est qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ça va? Ou non, c'est Rafael Guerrero. Oh, j'espère qu'il n'est pas blessé. Ce sera vraiment le point d'art. Bon, du coup, c'est la fin du match et c'est une victoire pour le Borussia Dortmund. Pour ce premier match de Ligue des Champions, on récupère 3 points, on met 2 buts, on n'en prend pas. C'est plus ou moins le match parfait. Même si on est un peu dominé quand même. Dans les stats, c'est pas tip top. Alors, par contre, on n'a pas eu le résultat entre Monaco et l'Atlético Madrid. Donc on va vite fait faire les entraînements. Zagadou qui progresse une fois de plus. On va juste aller voir si on peut récupérer le résultat. De la Ligue des Champions. Ah. Et c'est Monaco qui gagne 2 à 0 contre l'Atlético Madrid. Hop, comme on peut voir là. Prochain match qui opposera l'Atlético Madrid à Bruges. Et Dortmund à Monaco. Ce sera dans le prochain épisode, on jouera jusqu'à Monaco. Je pense qu'on fera le TSG Hoffenheim, Nuremberg, Bayer Leverkusen et on s'arrêtera à l'AS Monaco. Hop, ce qui nous laisse quand même des beaux matchs. Alors, sur le classement de la Bundesliga, on est deuxième, du coup, à égalité de points avec le Bayern. Qui pourtant a fait match nul pour son premier match, mais qui s'est bien rattrapé avec 2 victoires. 6 buts pour, 2 buts contre. Nous, on est à 5-3. Et on est deuxième. J'aimerais juste voir tac, quand est-ce qu'on jouera le Bayern Munich. Et je ne l'ai pas vu. Si. On jouera le Bayern Munich en novembre, donc on a le temps. Hein. On va attendre bien préparer notre saison jusqu'à là. Je vais avancer jusqu'au prochain match. Tac. Et du coup, je vais vous laisser là. On se retrouvera du coup dans le prochain match pour ce match contre le TSG Hoffenheim. Et on ira du coup jusqu'au match contre Monaco en Ligue des Champions. Allez, ciao les gars.